Et bonjour à tous. Ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors celle-ci sera très courte. C'est juste pour expliquer. Alors excusez-moi si je souffle plus que d'habitude. Ah donc en fait moi j'ai chopé le Covid. Et je me suis retrouvé à l'hôpital sous 7 litres d'oxygène avec une embolie pulmonaire. Donc ça fait pas longtemps que j'arrive à sortir sans trop m'essouffler. J'en ai encore pour 2 mois de traitement. Voilà. À l'hôpital, les internes m'ont dit, vous avez la chance d'être relativement jeune. Parce qu'il y en a qui sont passés pour pas plus que ça. Ça explique pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis plus de mois. Purée de buée. Je me suis fait souscrire à des lentilles par l'ophtalmo. Ah oui. Quand je parle, ça peut me mettre la gorge encore. Et je peux tousser. Donc du coup, excusez-moi pour tout ça. C'est déjà bien d'être là. Ouais, parce que quand on se retrouve aux urgences, qui te monte jusqu'à 7 litres d'oxygène, qui te disent encore un coup et finissez en réa, tu fais waouh. Heureusement qu'ils m'ont trouvé mon embolie à temps. Comme ça, ils m'ont gardé dans leur service. Et je suis pas passé dans le couloir de la mort. J'ai du monde ce matin. Démarrage en seconde, ça le fait pas. Ouh, qu'il fait froid ce matin. Faire un bilan pour m'assurer que tout se passe bien. Ça fait un moment maintenant, donc c'est nécessaire. Bon, sur la moto, ça va, je suis bien. Je suis bien installé, je suis bien droit. Mes poumons, ils sont pas comprimés. Vraiment d'effort, donc il suffit de respirer calmement. Oh là, j'ai cru qu'elle allait me démarrer devant le nez là. Ils sont rigolos, hein. Regardez. Tandis que si on a doublé, jusqu'à maintenant c'était déjà le cas.
limité 50, on est en ville, c'est déjà limité 50. La logique. Putain, je peux pas parler. Hein. Ce qui est bien avec ce temps, c'est que la moto risque pas de chauffer. Hein. Putain. En tout cas, bien ma petite Vara, parce que 3 semaines ça n'a pas bougé. Ou 3 semaines, ma femme par Messenger, j'ai dit il faudrait démarrer la moto comme le fils Limbac Pro Moto. Si on allait pour la démarrer, je savais pas que la batterie soit vide, elle a démarré au quart de tour. Très bonne moto, bonne batterie, pas de perte électrique. Et le moteur, il respire à la santé comme un... Ouais, très bonne moto. C'est parfait.